monde déteste aller. N'hésitez pas à vous déplacer. Vous avez encore des places, par exemple. Bon, écoutez, bienvenue à tous dans cet espace chaleureux qu'est l'espace maintenant. C'est vrai que là, du coup, on est très près les uns des autres et je trouve que c'est sympathique. On remercie beaucoup l'organisation, le prince Eric Dupuis, de la section du Parti Socialiste de Bagnères de Bigorre. Donc c'est merci encore pour cet accueil. Moi, je suis très honoré de vous accueillir et d'accueillir Carole Delga, d'accueillir Jean Glavany, notre député, d'accueillir François Fortassin, notre sénateur, Josette Durieux qui va bientôt arriver en l'occurrence. Et puis, bien sûr, Pascal Ferrandi, qui sera la tête de liste de ces régionales pour le département des Pyrénées, ainsi que Bernard Plano et Vivien Artigala, qui sont nos conseillers régionaux sortants, avec une petite pensée pour Marie Baudouin, qui était la conseillère régionale sortante précédente. Et Claude Guex, effectivement, pour le Parti Radical, qui n'était pas là, mais qui a participé à la réunion de préparation de ces dossiers. Merci encore. Nous avons l'invité surprise aussi qui devrait arriver. Donc, de suite, parce que le temps est un petit peu compté, parce que je ne sais pas si vous savez, nous avons un petit meeting aussi à Argelès, un petit peu plus tard. Donc, par avance, vous nous excuserez pour le fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on déménage tous et qu'on vous laisse un petit peu. En tout cas, encore une fois, merci à tous. Et puis, je laisse la parole pour les parlementaires de Pyrénées. À Jean Glavany qui va prendre cet exercice. Je te passe le micro. Merci. Merci Jean. Merci Philippe. Chère Carole, d'abord, bienvenue. Bienvenue dans notre département, les Hautes-Pyrénées, puisque je suis le premier élu des Hautes-Pyrénées à prendre la parole. Bienvenue en Haute-Bigorre, bienvenue à Bagnères. Je dirai quelques mots tout à l'heure de cette campagne. On est content d'être ici à tes côtés pour cette campagne électorale qui démarre doucement, parce que les Français ne sont pas encore tous dans leur tête aux élections régionales du mois de décembre, mais ils vont y rentrer tranquillement et sûrement, et nous en connaissons les enjeux. Je voudrais saluer d'abord, remercier tous les camarades de la section de Bagnères qui ont permis cette réalisation, les saluer tous. Le secrétaire de section, Eric, que je vois là-bas, ma chère suppléante Isabelle, toujours fidèle, et tous les camarades qui ont œuvré pour organiser cette réunion. Je voudrais saluer les élus, Jacques Brune, le président de la communauté de communes, Gérard, les élus, Gérard, le maire de Campon. Et puis je voudrais saluer aussi le maire de Bagnères, il n'est pas là, mais il nous a prêté cette salle, ce qui prouve que... Il a le caractère républicain. C'est un républicain de droite, mais c'est un républicain. Je sais qu'il aurait bien eu envie d'être candidat à ces élections régionales si la droite s'était montrée plus ouverte et plus rassembleuse. Elle ne l'est pas plus ici qu'elle ne l'est ailleurs. C'est peut-être aussi un peu tant mieux pour nous, mais je le salue parce que quand on est en visite dans une commune comme ça, la tradition républicaine c'est de saluer le maire de cette commune et je le fais bien volontiers. Je voudrais saluer tous mes collègues élus départementaux. Je vois Christiane, j'en vois d'autres. J'ai salué Gérard, j'ai vu Bernard Verdier, tous les élus conseillers départementaux. Et les remercier d'être présents. Voilà, nous sommes à tes côtés, Carole. Beaucoup apprennent à te connaître. Moi, j'ai commencé à te connaître il y a longtemps, mais j'ai commencé à t'apprécier quand tu étais vice-présidente de la région. On avait inauguré ensemble un centre point public à Trie-sur-Baïse il y a quelques années déjà. Puis après, je t'ai accueilli, jeune parlementaire, à l'Assemblée nationale, comme un ancien qui couvre les petites pousses qui arrivent à l'Assemblée nationale. On essaye de transmettre, nous aussi, à notre manière. Les jeunes, on les aide, on les accompagne. Puis après, je t'ai regardé faire au gouvernement, comme secrétaire d'État, au commerce, à l'artisanat, et à toutes ces choses si importantes pour la vie quotidienne. Et puis, tu as choisi de mener ce combat... Tu as choisi toi, et puis les militants t'ont choisi, en attendant que les électeurs le fassent, de mener ce combat. Et je veux que tu saches qu'ici, on est derrière toi, unanimement, massivement, et avec enthousiasme. Et puis à tes côtés, il y a Pascal, qui va mener la liste ici. Pascal, c'est aussi une petite jeune qui était bien formée, n'est-ce pas, François? Et qui nous vient de la Barousse, et... qui a gagné ses galons de conseillère départementale il y a peu, que j'ai accueilli avec d'autres
dans l'Assemblée départementale, que je connais depuis longtemps, puisqu'elle était une collaboratrice proche de François Fortassin. Et donc, les parlementaires se connaissent, et leurs collaborateurs aussi, et on travaille beaucoup ensemble. Et j'apprécie beaucoup Pascal Perraldi. J'apprécie beaucoup alors qu'on est souvent à se batailler, à se boucher le nez, à se crêper le chignon, que les socialistes et les radicaux soient unis ici, dans ce département et dans cette région. Je l'apprécie beaucoup parce que j'ai adhéré à la politique, au Parti socialiste et à la gauche avec un homme qui s'appelait François Mitterrand et qui avait une idée obsédante, c'était le rassemblement de la gauche et des forces populaires. Et mon engagement politique, comme beaucoup d'entre nous, c'est un engagement pour le rassemblement de la gauche. Et quand on est devant la division, la première des missions, de nos missions, c'est de commencer à rassembler là où on peut. Dès le premier tour, les radicaux, c'est fait. Et au deuxième tour, ça sera encore plus important de le faire. On sera tous ensemble aussi au deuxième tour. Donc je voulais dire à quel point je suis avec Pascal, là aussi, derrière vous deux jeunes femmes, qui plus est. La droite ne pourra pas en dire autant partout. Et dans la région et dans le département, nous serons tous derrière ces deux jeunes femmes qui mènent le combat courageusement. Et puis je salue évidemment les autres candidats qui sont à la tribune, Bernard Planot et Viviane Artigalas, qui eux sont des sortants, donc ils sont connus, ont un bilan et qui poursuivront leur chemin et leur travail pour la région. Bon, moi je vais être bref. Je me disais, il y a beaucoup d'orateurs, il va falloir faire de grands discours, peut-être aurais-je l'occasion de passer une idée. Et je vais vous donner une idée. Une seule idée, mais je voudrais la donner de toutes mes forces et de tout mon enthousiasme. J'en ai marre d'entendre, matin, midi et soir, dans les journaux, à la radio, des gens qui gênent, qui gémissent, qui se plaignent. Je voudrais vous transmettre un peu d'enthousiasme. Un peu d'enthousiasme aujourd'hui à l'approche de cette campagne électorale et de cette élection régionale. Oui, moi, je suis content qu'il y ait une grande région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. J'en suis très heureux. Et je voudrais vous communiquer ce bonheur. Parce que cette région, elle va peser plus en France et en Europe. Parce que c'est toujours la même règle, l'union fait la force. Et deux régions réunies dans une seule et grande région qui va de notre Bigorre, tout en bas à gauche, jusqu'à Nîmes, tout en haut à droite. Cette grande région, ça nous paraît un peu étrange, mais c'est une grande et belle région qui va peser demain en France et en Europe. Parce qu'on sera beaucoup plus nombreux, parce qu'on n'aura pas que capitale Toulouse, on aura une autre capitale qui sera Montpellier, et Montpellierin, ils savent jouer au rugby. Ils sont pas plus idiots que les autres. Ce ne sont pas des sous-français ou des sous-sudistes. Ce sont des sudistes et des rugbymans comme nous tous, et puis ce sont des gens qui ont l'intelligence d'un grand pôle universitaire, d'une grande métropole qui rayonne sur l'arc méditerranéen, et ça nous fera du bien d'être avec eux dans une grande région. Je voudrais vous convaincre de ça, on va peser plus, c'est une bonne chose. Comme je voudrais vous dire, je suis content d'avoir voté la loi NOTRe qui pousse à l'intercommunalité, alors j'entends tout le monde gémir. Oh, ici, on gémit un peu parce qu'on se dit... Pourquoi Montaigu ? On n'a pas forcé, comme ils ne veulent pas venir et vous ne voulez pas qu'ils viennent, ils ne viendront pas, puis c'est pas très grave. Mais on a besoin, vous n'avez pas besoin de vous réunir, parce que vous l'avez déjà fait dans la Haute-Bigorre. C'est fait, vous avez une grande intercommunalité. Mais honnêtement, on ne fait pas que des bêtises au Parlement. On sait bien qu'on a besoin d'être plus unis encore dans l'intercommunalité. On veut que c'est pas idiot d'avoir des intercommunalités plutôt autour de 15 000 habitants que de 5 000, que nos intercommunalités rurales, elles avaient du mal à vivre. Alors moi, j'ai de l'enthousiasme pour ça, surtout que quand on le fait intelligemment, tenant compte des exceptions montagnardes, on n'est pas buté en disant qu'il faut 15 000 points, on n'en parle plus. Et donc, oui, je le fais avec enthousiasme. Comme j'aimerais bien vous communiquer l'enthousiasme, je ne sais pas si j'y arriverai. Ça serait formidable d'avoir une grande agglomération Tarbes, Saint-Lourdes. Je sais peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je vous le dis parce que dans cette grande région, justement, il vaut mieux qu'on soit 120 000 pour peser, plutôt que d'être 80 000 et être la 15e ou la 20e agglomération de la grande région. On a besoin de peser, on a besoin d'exister dans cette grande région encore plus. On a besoin de tout ça, et je voudrais vous communiquer cet enthousiasme. Et moi, je suis content que la région demain ait plus de compétences en matière de développement économique.
Bien sûr qu'il faut que la région ait un bras armé avec plus de force en matière de développement économique. Et on dit, oui, mais on va perdre le comité départemental de développement économique. Et c'est pas grave, ça sera une antenne du grand service régional. Et la région sera à nos côtés, elle sera encore plus puissamment à nos côtés demain qu'elle ne l'était aujourd'hui, parce qu'elle aura plus de moyens pour le faire. Voilà, je voudrais vous communiquer cet enthousiasme, parce que, voilà, j'en ai marre, quoi, d'entendre tous ces gémisseurs, tous ceux qui se lamentent du matin au soir. Non, nous avons des tas d'opportunités à saisir. Ça dépend que nous, on peut rester sur le bord du chemin, à se croiser les bras et à se croiser les doigts, à tourner les pouces en disant, oh, tout ça c'est pour les autres, ça ne me regarde pas. Non! Non, nous devons nous saisir de tous ces nouveaux outils pour construire notre avenir territorial, pour construire nos agglomérations de demain, nos intercommunalités de demain, pour développer nos territoires, pour développer notre département, notre région. On a besoin de s'en saisir à bras le corps. Voilà, c'est cet enthousiasme-là, ce seul enthousiasme-là que je voulais vous communiquer. J'en dirai pas plus. On est venu écouter Carole. Donc Carole, bravo et merci.